Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dash Activity. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z X-Keeper sur navigateur. On va voir les news normalement. Il y a dû avoir une maintenant. Comme vous avez dit, hein, il n'y a pas eu une maintenant. C'est parti du 4 2 avril hein, pour préparer la machine. Hein, parce qu'il y a eu un problème avec la machine. Il y en a eu quelques news. On va vérifier ça. Donc, il y a pas mal de news. Il n'y a pas le truc de Google. On va faire un peu. De toute façon, pas du monde. Hein. Le truc de Google. Hein. La news de même. Donc, ouais. La deuxième leçon qui vont être apportées à la fonction de la bataille. Facile à étudier. Opération facile a été ajoutée avec cette mise à jour. Opération facile est un mode dans lequel les joueurs opèrent seulement l'activation de la mort et de la défense. Congé d'exploitation, le nombre d'instructions du combat automatique de la fonction existante a été changé pour l'opération aléatoire. Lorsque le tool Lave en opération est activé, les paroisses organisées en équipe durant la bataille utiliseront automatiquement les mouvements spéciaux et la défense. Il n'y a pas de changement en fonction. Donc, après, il y aura deux automatismes au niveau des personnages. Donc, ils feront tout seuls. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est pas assez important que ça. Vous pouvez changer l'opération à partir de l'icône en bas à droite. Hein, sur l'écran. Donc, on va, si vous voulez, essayer si le parcours de bataille est justifié. Donc, ils ont facilité apparemment le jeu. Pour moi, pour l'instant, il n'est pas super difficile. Hein. Avec un petit peu d'entraînement, ça passe. Hein. On va faire les autres infos, parce que c'est pas ça. Celui-là. Côté. Donc, ils ont mis. Deux automatismes au niveau des changements que les parcours vont changer tout seul, ça fait relais d'attaque tout seul, bon, c'est un peu spécial. Donc, pour célébrer l'ouverture du nouvel événement, nous vendons des articles ordinaires dans le magasin, nous en ajoutons des éléments. En compter le nombre de possessions de personnages, en compter le nombre de possessions de Séoul, chaque objet peut ajouter un nombre maximal de possessions du personnage Séoul. On peut avoir ajouté des choses. Détail de l'article. En comptant le nombre de possessions de personnages, le nombre de personnages caractères possédés augmente de 4. Vous pouvez acheter 40 personnages par personne. Donc on peut augmenter le nombre de personnages. Augmenter le nombre de possessions de l'arme. Donc pourquoi après, je vais avoir avec les choses. On peut en avoir plusieurs. En fait, chaque soul a un type précis. Comment dire. Chaque âme a un truc, donc un pouvoir. Ils ont un pouvoir différent. Il y en a qui ont le même design, mais ils ont des trucs assez différents. Par exemple, il y en a qui va raconter peut-être l'attaque, il y en a qui va avoir le même visage, il va avoir rencontré la défense. Après, on peut acheter jusqu'à un personnage, personne. C'est là que vous savez que vous pouvez ajouter des personnages, vous pouvez ajouter. Ça, c'est ce qu'on va lire. Vous avez passé de ligne. C'est ce qu'on va lire, ça. Suivant. Là donc suivant ça moi aussi je suis courant quoi pas mal comme vous donc à partir de la fin de maintenant 16 avril événement Ultimate X-Cross mission débutera la mission de croix ultime c'est le premier événement
événement collaboratif a défié chaque membre du gardien, exploiter la mission avec les camarades du gardien, tirer les Dragon Ball et laisser le jeu réaliser avec le film Dragon. Préparez-vous à l'ultime mission X, croisez, préparez-vous à l'attaque normale de l'événement attaquant. Peut-être un novice qui n'est pas dans l'équipe, il a ajusté le degré de la difficulté à jouer assez. Dans le degré de fierté, une course de bataille orgueilleuse, normale, souvenir croisé de qui, le raid de raider tombe avec une fiable, faible probabilité. Quand vous pouvez mettre cette mémoire croisée dans une machine, pour se croiser avec une certaine probabilité, vous pouvez acquérir une indice de caractère fort. Défions la difficulté en forçant, en passant par le sommet où nous sommes éveillants. La mémoire vive disponible, mémoire croisée à l'article du ciel. Quel mignon Z et Théol apparaîtra dans certaines probabilités. Donc, je veux dire qu'on pourra farmer, c'est un événement, on pourra farmer un âme. Enfin, j'imagine qu'on pourra farmer un perso et son attaque. J'imagine que c'est ça. Donc, il y a un petit événement, c'est quand même cool. C'est à partir du 16 avril. Donc, on le vend. C'est à partir du 16 avril. Donc on va passer au suivant. Là. Comment moi c'est moi en tout courant. Donc merci va vous dire ouais. Nous vous informons des mises à jour en complètement maintenant périodique. C'était le 10 avril, hein, nouvel événement. La crise de Namek, Star, départ Tyrion de l'hiver, Mugasa mis à jour, ouais, on gagne niveau personnage. On gagne niveau personnage, je pense que c'est Krillin et Gohan. Ils étaient annoncés, donc il y a Krillin et Gohan, je suppose, pas après. On verra le stade par après. Je sais, hein, c'est un peu long, mais bon. Au moins, Freezer. Ah non, en fait, c'est le début du 2 au 16 l'événement. Ok, donc il y a l'événement. Ça, c'est cool quand même. Donc, c'est les étapes. Ah si, on perd des pierres en fait. Ah non, de l'énergie apparemment. On perd de l'énergie, 500. Ça que je me renseigne. Donc il y a le bonus de collection, ça c'est le bonus de collection. Donc le bonus de collection, ça c'est le bonus de collection. Ça c'est quand même bien. Là je peux le faire du Google. Ça marche pas. Donc, le premier jour, mémoire croisée, donc nous avons un objet pour la machine. Le deuxième jour croisé, extrême des vices. On se perd de l'énergie, on se perd des blessures, du dessin, l'éveil des poids, de l'éveil. Le quatrième jour, billet de gacha. Le cinquième jour, engrenage, c'est un objet. Le sixième jour, objet. Le deuxième jour, il faut faire deux tickets au bout de 3 jours. Le quatrième jour, on peut faire un ticket. On peut faire un deuxième ticket au bout de 7 jours. Faire un ticket au bout de 10 jours, on en a 3. 4. Nous avons 4 tickets. 4 tickets en collection. En collectant. Est-ce qu'avec l'événement, on pourrait en avoir? Ça serait bien, quand même.
Donc il y a du courant, donc il y aura de l'énergie, donc on pourra quand même pas mal faire de l'énergie. Il y a des objets. Il y a quand même pas mal de choses. La satirie de champion, ça c'est pour vendre. C'est comme la statue dans Decal Battle. Ça vous sert à pouvoir gagner de l'argent. Ça c'est quand même bien. Ça va gagner beaucoup d'argent. Ça va vendre. Puis ensuite, ça c'est le bonus de collection. Ensuite. Oh, ça moi aussi je sais. Hein. Donc, ça fait le truc en collectant, j'imagine. Il y a des trucs à repérer. Ça c'est pour la machine, j'imagine. Ça c'est pour la machine. Pas big d'épée. Donc, il y a de nouveaux trucs dans le magasin. Voilà. Donc ça, moi, j'utilise informé. Voilà. On va aller voir ce que ça vaut maintenant. Donc je vous rappelle, pour pouvoir jouer au jeu, il faut un compte Yahoo Japan. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, plus le bouton i en haut à droite. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo pour comment créer un compte Yahoo Japan. C'est pas compliqué. Il faut un code Yahoo. Hein. Parce que ben, si vous allez sur le site, si vous appuyez sur le bouton orange, ils vont vous envoyer sur votre compte sur Yahoo Japan. Donc, il faut spécialement un compte Japan pour aller jouer au jeu. On va voir pour l'événement. Donc, il y a un événement à faire. Donc, ça va être cool. Quoi, il y a 4 tickets à recréer, c'est pas bon, c'est pas beaucoup. J'espère que pour l'événement il y en a quoi. Il y en a à gagner, ça sera intéressant. On peut imaginer d'y avoir un personnage à récupérer et peut-être son attaque. Ça c'est cool quoi. Ça c'est la bonne question. Ah, un truc de Nappa. Ok, donc en bonus on récupère 4 tickets gacha. J'espère avec l'événement on le récupère hein, vraiment. C'est intéressant quand même. J'ai déjà n'a pas. Est-ce que c'est son attaque? Ok, récupérer son attaque peut-être. C'est intéressant. Donc il y a la saga d'un mec qui est arrivé. C'est Caillou qui nous parle. Nous sommes sur la saga d'un mec. Ouais. La saga d'un mec qui est arrivé, ça c'est cool. Est-ce qu'on récupérera un trésor avec eux? Je sais pas. C'est une surprise. Donc, dans le monde de l'énergie. Cool. Il y a un petit. Oh, nous avons 10 tickets. Oh, ça c'est cool ça. On pourra faire une multi. Ah, c'est cool ça. Parti. Oh, on va laisser les 500. Donc là, c'est au niveau des navires. On va le ticket directement dans la machine. Je me dis qu'on pourra peut-être récupérer l'attaque d'un pas. Ça va être intéressant. Donc j'ai déjà là-bas, il faut juste. On va faire l'attaque en fait. J'ai déjà un lapin. On va les mettre directement sur le ticket. Ça c'est intéressant les tickets comme ça. On va faire l'attaque de Zimpa, c'est cool. Une capacité de Zimpa. J'ai déjà le parcours. En fait il est très bon le Zimpa sur ce jeu. Il est loin d'être mauvais. Okay. Elle va dans le magasin ce qu'il propose comme j'ai donc on verra à ce moment là. Ça prend du temps. Ça change pas. Alors on va aller sur réparer la machine. Ok.
au moins ça devrait être mieux au niveau des chargements. Voilà, combien de temps ça va prendre? Ça peut durer 3 jours, hein. 2 jours hein, facilement. 50 secondes, oui, ça va pas très grand chose. Et là, on va aller voir le petit félin, ce qui vaut. Donc, quoi qu'il arrive, nous avons une multi. Donc, info. Donc, c'est un vert. Donc, alors, de base, hein, donc, de base, on a fait 1300. On a en puissance 488. En vitesse 420. Pourtant, c'est pas ouf. Hein. On va voir en maxi exactement. Une fois maxi. 6542 en puissance 2045 en vitesse 2106, ça c'est énorme quand même. En endurance 1792, en impact 1702, 1800 en allez mince donc je vais lancer le hit donc mon de coup de 1938 et en défense 1739. Il est pas très mauvais hein, il a l'air pas très mauvais. Donc j'ai dit d'avoir un truc la saga d'un mec ainsi, il a pas l'air d'être mauvais ce petit crélin. Entre toi il y a un autre portail, enfin un portail avec des pierres. Hein. C'est avec Goku et Vegeta en même temps. C'est quoi faire la cinématographie. Franchement je n'ai pas eu quelque chose d'énorme dans ce portail. L'avantage c'est qu'il est gratuit. Ouais, il est gratuit, je crois par jour, j'ai droit à un petit tickle. Gratuit. Ça c'est comme ça. Même si c'est pas grand chose. Mais si c'est pas encore grand chose, on peut avoir des trucs sympas. Quand t'es gratuit, on prend. Là, y'a rien du tout, moi. Ça, c'est un peu du bronzé. Ça, c'est du 100% bronze. 100% rare. Te paye pas que j'ai déjà, ça c'est cool. Ah, je crois qu'on doit maxer tout le monde là. Donc, si tout le monde je le prends, c'est cool. On part à la fin hein, la multi. C'est réservé. Pourquoi il y a tant de chargement alors qu'il y a un vrai jeu? Allez. Ouais, et où? Ah. C'est réveillé. On va aller ouvrir la machine, oui. Je pense qu'on a quelque chose. Ouh, je sens que. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a comme quelques bugs. Carapace. Le ski était en jeu. Dans le bon. Je pense que je devais mettre un ski avec. Mais... Ça va, c'est le jeu. Donc. On va aller voir le magasin. Je repose en plus. Après, je vais voir s'il y a des codes dans le dragon. Des dragon god. Je suis pas envie d'avoir des objets gratuitement. Ça, c'est quand même pas mal. Donc en plus, comme ils disent, il y a des trucs pour augmenter les persos, augmenter. Donc, ah ok. Pourquoi là c'est cher hein. Ah ouais, c'est. C'est pas donné en fait. Là c'est pas donné du tout. Hein. Et Warfit.
peut-être des choses pour créer un personnage, etc. Ça, faut s'y attendre. On va voir pour l'événement. C'est qui propose quand même. Ok, d'avoir à l'événement Namek. On va voir ce que ça propose. On va voir les infos. On repère un ticket. Ticket pour l'instant. On va essayer. Je vais pas la déduire. Hein. Donc ça va être facile. Après, il est difficile, j'imagine. Un truc ainsi. Il y a le créneau, c'est un pourcentage. Je sais pas. Je ça comme ça. Donc, dès que vous casez, vous avez droit à une multi gratuite. Ça, c'est quand même bien. Donc 120. Ça devrait aller. On a pas vu l'état. Ça devrait aller. On l'a vu. Hein. Donc la saga dans laquelle là. Du coup, donc c'est un événement. Je vais dire qu'on pourra curer un personnage. En tout cas, j'espère. Et puis sur Nasdaq en fait. Ça prend un petit peu de temps, un petit peu de temps quand même. Le déchargement, c'est pas encore trop ça. Il va compter Végéta. Ouais, je suis censé avoir l'avantage hein, pour lui. Ça a changé au niveau de 1000 en bas. Du coup, vous pouvez mettre en 100% automatique. Mais hein. Là, il a passé là, je vais ça. Ça bug un petit peu, on dirait. Ça bug un petit peu. Ça bug un petit peu. Hein. Ouh, ça bug un petit peu, on dirait. Hein. En tout cas, j'espère que ça va être bon pour récupérer des tickets. C'est intéressant. Pas juste récupérer des. Comment s'il pas ajouter en plus son, le personnage. Peut-être en argent. C'est vrai que j'aurais dû voir des personnes en plus. De Hollande, ça c'est pas difficile. Ok, je vais dire plus on va aller plus ou plus, ça va être difficile. Hein, donc on peut faire plusieurs fois en même temps. Ok, ça va pas comme ça. Ça va, on va le faire. Je vais en avoir deux. Donc on peut faire plusieurs fois. Il y a un truc à côté, donc c'est. Je pense que c'est pour récupérer une âme. Quelque chose pour récupérer une âme. C'est intéressant quand même. Il est facile. Hein. Il n'y a pas l'air d'être difficile. Donc, ouais. Donc peut-être. Chaque jour, ils vont rajouter une difficulté. Peut-être. Peut-être que chaque jour, ils vont
on mette à un niveau. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon attaque. Je sais pas si le temps passif c'est bien, vu que j'ai bien quand même avoir la main sur le jeu quand même. Ah, des armures, ça vous sert à des objets. C'est facile hein. Vous pouvez refaire plusieurs fois si vous voulez. Voilà, bon, après le détail n'est pas difficile hein. J'ai fait maintenant 2-2. Donc je vais essayer qu'il faut peut-être racheter. Difficulté par après. Voilà, c'est passé. Voilà. Parce qu'il y a autre chose en plus. On va mettre. Ah okay. Il y a un événement avec le Freezer. Donc, il repère un ticket d'un pas et juste une maison de. Ça, c'est une maison d'entraînement. Ça, c'est quand même intéressant. Toujours intéressant. Donc, ça, c'est les zones, je pense. Dragon Ball, Dragon Ball Z, on fait des infos, un gaz d'énergie, tout ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quand même pas mal d'objets à repérer, c'est quand même intéressant. Un ticket Vegeta, un ticket Kiwi, un ticket Zabon, Carbone. Logique pour récupérer un ticket Freezer. Mais... Il y a quand même pas mal de tickets à récupérer. Ticket Jackie Chun. Il y a quand même pas mal de tickets à récupérer. Donc Freezer. Donc quoi, 60 000 de 16 avril, donc il y a quand même pas mal d'événements. Je vais mettre le Freezer. Enfin, le... Un ticket pour en faire la multi. Bon, ça c'est pas avec l'événement, je pense. On va penser qu'on pourrait... On pourrait faire que les tickets. Avec le plus distant. C'est quoi que j'attends? C'est le X. Pour moi dans la machine. Je vais pas tenter, j'attends que j'ai les X. En fait, le X, ça vous permet justement de doubler de chance pour avoir plus de chance de faire un objet. Je vais attendre, je sais pas, on va aller voir au niveau des personnages. J'ai envie de dire, il y a d'autres personnages qui ont été ajoutés entre temps. Donc, parce qu'au niveau des. Les projets c'est normal, mais ça part avec le prix là. Donc en plus, Kiwi, c'est pas beaucoup de bons personnages en bleu. Ah lui il est correct. Hein. Il est très correct, comme pas marqué, il est correct. Ensuite deux Doria. Ah lui aussi. Ah ouais lui aussi il a lui il a l'air pas mauvais, pas trop mauvais. Ensuite j'imagine il y a d'autres. Ils seront ajoutés au fur et à mesure. Ils seront ajoutés au fur et à mesure. Pour l'instant il n'y a que Kiwi et Dodoria. Je vais dire que les armes ils vont être ajoutés par la suite. Ok. Ils ont l'air pas mauvais hein. Pour Maxi, ils ont pas l'air mauvais. C'est le Krillin qui est assez excellent. Hein. Donc on va faire la multi. Faut espérer d'avoir du loup dans la multi. Parce qu'il y a au moins 5 étoiles garanties pour fond. Garantie c'est pas une 5 étoiles. Enfin, une 3 étoiles. Faire la multi, voir ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup de faire la multi ou pas, ça j'en sais rien.
Allez, c'était moi votre chance. Pour la multi, faut espérer d'avoir du lourd dans cette multi. Pour avoir du lourd, enfin, il faut que le trouvoir soit très gros avec des éclairs de préférence. Et que le Kangidama. Ah, ça c'est bon. Pour avoir un trou d'art comme ça, il faut aussi que le Kangidama soit rempli en fait. Oh. Oula. Peut-être avoir comme du lourd. Non, enfin. J'ai repéré Kiwi. Il y a beaucoup que j'ai déjà. Je préfère beaucoup de médailles. Parce que ça sent mieux les multi en fait. Je marque vrai Kiwi. Un coucou. Je suis pas sûr que le multi soit bien. On va pas. Voilà. Donc je fais avec Kiwi, un nouveau personnage. Je prends. Hein. Il a l'air mauvais donc au niveau des stats donc voilà. Donc voilà, après quelques bisons. J'ai un blindé. Donc en ce moment il y a des battements. Donc en ce moment il y a la saga Vegeta, enfin, la saga Namek qui vient d'arriver. Je sais pas si on pourra récupérer des personnages rapidement. Dans la logique, je sais pas. Peut-être on pourra récupérer une âme. Peut-être une attaque, ce serait intéressant. Donc pour l'instant, c'est pas encore avancé. J'imagine qu'ils vont mettre au fur et à mesure. Peut-être pas tout de suite, peut-être tout. On verra pour la suite. Donc en personnage, d'avoir récupéré. Un petit QI qui n'est pas mauvais. En fait, ça en fait manquer bleu. Quand même. C'est cool. Donc voilà. Donc en ce moment, si vous collectez le droit une multi, j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû faire un single, mais bon. C'est comme ça. Et donc en ce moment. Un peu de collection, bon, au bout de 13 jours les droits à 4 tickets Gacha, des objets, de l'énergie, et voilà. Vous savez que c'est pas encore grand chose. Donc j'avais dit que les autres vont venir à faire un mieux, donc on aura par la suite le Gohan en 3 étoiles. Qui sera ajouté par la suite. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Commentez ce que pensez-vous des événements en ce moment. Il y a quand même pas mal de trucs à récupérer au niveau des récompenses. Il y a quand même pas mal à récupérer donc au niveau des tickets. Ça c'est quand même intéressant de le faire. Il y a pas mal de récompenses à avoir. Et donc voilà. Et abonnez-vous à la chaîne. Pour vraiment que tes prochaines vidéos, je pense faire un live pour former l'événement. C'est sympa. Comme d'habitude, j'ai fait une vidéo pour comment créer un compte Yahoo japonais. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas y jouer. Donc, je vous mets le lien sur le bouton i en haut à droite de votre écran pour aller voir la vidéo. Comme ça, vous savez comment y jouer. Sans compte Yahoo Japan, vous ne pouvez pas y jouer. C'est comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à la prochaine.